présentée par Olivia Dumas. La question porte sur le budget, plus précisément du SPVM, et se lit comme suit. My question: in 2020, the city surveyed Montrealers about their budget priorities. 73% of respondents said that they wanted to see the SPVM budget reduced. In 2021, the city removed the question about police funding from the survey, and as you know, increased the SPVM budget a record amount. This year, over 100 participants in the budget consultation in June called for the question about police funding to be returned to the annual survey and or called for the police budget to be reduced. Rather than complying, your administration canceled the annual budget survey. My question is, can you explain why you refuse to listen to the citizens, to the residents you serve regarding police funding, Monsieur Alain Vaillancourt? Monsieur Dumas, essentially, to straighten out some facts, the actual budget, survey budget, wasn't canceled because of the police question. It's something that comes, sometimes we decide to do it, sometimes we change orientations. As for the police budget itself, it's important to note, I also go around a lot in our boroughs, and what I hear also is that Montrealers want to be safe. They also saw that there was an increase in gun violence this year, and really wanted us something to do about it. So we responded with the help of the Quebec government and the leadership of our mayor in getting some extra funding to increase the police budget, yes. But we also work a lot on prevention. You know, the police works on prevention. A big axe of our plan is prevention. We've increased budgets to our community organizations by over $6 million. We have a budget for youngsters to do their own projects of $7 million. We also have EMIS. We're putting $50 million into EMIS over the next 5 years, which will be essentially social workers, intervention workers on the territory of all of Montreal to deal with mental health issues and the actual access of the notion of prevention. Rapidement, la question du budget, la question sur le budget participatif n'a pas été annulée due à la question de la police. Et pour le budget tel quel, une grande portion du budget, de l'augmentation du budget vient de Québec. Avec le leadership de la mairesse, on a pu débloquer des fonds pour justement nous aider à rendre Montréal plus sécuritaire, à remettre à niveau les effectifs au niveau de la police, mais aussi on travaille beaucoup de la prévention. C'est un gros axe de notre programme. On augmente de millions de dollars les programmes, et aussi on a émis qu'on a mis 50 millions pour les prochains 5 ans pour le programme qui va permettre des intervenants sociaux à travers toute l'île de Montréal de travailler des aspects des appels qui, surtout au niveau de la santé mentale, et des gens sont un petit peu désorganisés. Très bien, on est fiers du programme et merci pour la question. Très bien. Alors, on va faire une pause. On est rendu à la question numéro 5. On va prendre une pause pour les questions écrites pour retourner à notre programmation habituelle. Avec les questions présentielles, nous avons deux intervenants, en commençant avec Robert Edgar. Bonjour, Monsieur Edgar, et bienvenue. Bonjour, Madame la Présidente, la mairesse et tous les conseillers. I would just like to say that I had absolutely nothing to do with that interesting little protest. I was completely unaware of it, but I certainly liked what I saw. I also liked how the SPVM police officers respected the rights of the protesters to a large degree, so that was good to see. My question is for Mr. Aref Salem. It's concerning the upcoming total eclipse of the sun on April 8th, 2024. And it's concerning symbolism that's perceivable in total solar eclipses. I've already spoken about how total solar eclipses display a bird-like pattern that inspired the Phoenix myth, the Egyptian winged sun symbols, the Assyrian and Mesopotamian winged sun symbols, including, by the way, the Zoroastrian Farahar symbol that has been displayed at some Women Life Freedom protests. But there's some more symbolism that's perceivable in pretty much every total solar eclipse. Looks very much like the pupil and iris of an eye staring down from the sky. The black circle of the moon surrounded by the filament rays of the sun's corona looks just like the pupil and iris of an eye. Your question? My question is, and I've raised this before, is I think, you know, speaking of violence and other issues, I think by raising consciousness to God's omniscience, the fact that the creator of the universe has I'm going to need you to ask your question, please. You started with, I think, so you should start with why, what.
something that's more specific. Right. My question is, what can and will Ensemble Montréal do in terms of helping bring consciousness to the fact that God is aware of what's happening and perhaps leading to less violence, not to mention less. Thank you for your question. I'm going to intervene before Mr. Salem, so just so he knows, because there's no obligation for councillors or any members of this council council to answer any question that's not related to municipal matters specifically, so I just want to highlight that for the benefit of everyone. Mr. Salem. Thank you, Mr. Rigol. Merci, Madame la Présidente. Effectivement, c'est la question qui est posée, the question that you're asking, Mr. Rigol, it's not like, I mean, it's not related to any municipal issue. So if you have another question, please go ahead and ask your question so I can answer something that looks like, you know, related to a municipal issue. Thank you. Complimentary question. I think I've already mentioned how cooperation with Montreal's religious communities can potentially lead to decreased violence. You know, the religious communities can, in their own way, you know, remind people that God is aware of their actions and that they're ultimately accountable to God. That includes Montreal politicians, by the way. And I do believe it is a municipal issue, you know, reminding people of this, you know, in various ways, even through various municipal, how can I put it, maybe not sponsored, but assisted events. You know, I think it can, you know, basically cover a multitude of sins, as it were. Well noted. So relating to municipal organizations working with the city, feel free to answer or not. Yes, Madam President. Basically, well, I answered this question before, and we're open to any discussion with any religious or non-religious organization so we can find solutions. And Mr. Edgar, if you have any proposal, so feel free to present it, and probably we can work with the administration to find ways to put them in place. If you have some good ideas, we're open to discuss any subject, like, you know, any idea, any good idea that it helps to drop the violence in the city of Montreal. Thank you. Thank you for your question, Mr. Edgar. Have a good day. La prochaine question nous est présentée par Richard Faneuf. Bonjour, Monsieur Faneuf, et bienvenue. Bonjour, merci de l'accueil. Ma question s'adresse à vous, tous les membres du Conseil. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop pour tenter à défendre le logement social. Les élus de l'arrondissement ont honoré Phyllis Lambert et Lucia Kowalik pour avoir retiré 135 édifice dans Milton Park du marché spéculatif, faisant adopter une loi de bulle privée pour le faire. Toutefois, le service d'évaluation a augmenté les immeubles de 40%. Sachant que la loi 37 adoptée par l'Assemblée nationale en juin dernier interdit toute organisation ayant reçu des subventions de vendre leur édifice. Mais en toute connaissance de cause, le service d'évaluation augmente l'évaluation de logement de nos immeubles par 40%. Et je suis gestionnaire d'une maison de chambre. Le règlement qui a été adopté par plusieurs arrondissements interdit la conversion des maisons de chambre pour protéger le parc immobilier des maisons de chambre existantes. Ainsi, aussi, l'article 1325 du règlement d'urbanisation du plateau Mont-Royal stipule spécifiquement que les maisons de chambre ne peuvent pas être vendues qu'à un organisme de logement social.
Le service d'évaluation, en toute connaissance de cause, augmente les évaluations municipales de 40 % Nos taxes augmentent de plus que 5 % pendant nombreuses années. Et votre question, M. Faneuf? Êtes-vous prête à reconnaître que c'est un peu incohérent? On ne peut pas vendre, mais le parc immobilier est évalué plus cher. Très bien, merci. M. Benoît Doré va commencer avec le premier élément de réponse. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci beaucoup de vous être déplacé ce matin. On s'est croisé même quand vous êtes arrivé. Donc, en l'absence de Mme Olivier, qui est la présidente et qui est responsable de l'évaluation foncière, je suis quand même au courant comme responsable de l'habitation et je collabore avec Mme Olivier et le service de l'habitation collabore également avec celui de l'évaluation foncière. Il faut comprendre que le service de l'évaluation foncière a un cadre juridique et il y a de la jurisprudence également qui existe et qui font en sorte que tant les procureurs de la ville que les gens au service de l'évaluation foncière maintiennent que l'évaluation qui a été faite pour le 1er juillet 2021 et qui sert, dans le fond, à l'imposition du rôle au 1er janvier prochain, tient la route malgré les données, donc les nouvelles données de la loi 37. Monsieur Côté, qui est l'évaluateur en chef, d'ailleurs, répond en ce moment personnellement à chacun des groupes, des organismes qui lui font, qui font des représentations à Mme Olivier et au service de l'évaluation foncière pour lui dire que ça ne devrait pas être comme ça. Donc, la réponse, elle vous vient, le cadre juridique actuel et les procureurs de la Ville maintiennent cette position-là en fonction de la jurisprudence. Je termine, Madame la Présidente, en mentionnant que M. Côté fait également mention dans sa lettre aux différents organismes que nous serons alertes à la jurisprudence qui pourrait changer. Et actuellement, on sait qu'il y a des organismes qui ont décidé d'aller au Tribunal administratif du Québec, au TAC, pour l'ancien rôle, le rôle qui a cours actuellement, et il y a un appel qui a été autorisé. Alors, nul doute que ces données-là vont être dans l'espace public. Assurément, il y aura peut-être le gouvernement du Québec qui regardera le cadre juridique également dans lequel les villes doivent agir, pas juste la ville de Montréal. Alors, solution à court terme, nous n'en avons pas. Nous travaillons avec le cadre juridique actuel, mais la ville est tout à fait empathique à la cause des OBNL en habitation qui considèrent qu'on devrait avoir une lecture différente. Monsieur voilà, Faneuf, est-ce que vous avez... Merci. Monsieur Faneuf, question complémentaire? Oui, madame. D'abord, je vous informe, je suis la personne qui vous poursuit. Et deuxièmement, je vous annonce, en allant à toutes les à des groupes canadiens, Montréal est le seul problème où il y a un litige avec la taxe foncière. Toutes les autres villes, on peut régler ça ailleurs au Canada. La ville de Toronto a déjà envoyé des retours équivalents à 50 % de la taxe foncière. Ça ne me dérange pas de recevoir une facture de taxe de 40 000 $ si j'ai une retour de 20 000. Il n'y a rien qui vous empêche de faire des chèques. La loi ne vous empêche pas de faire des chèques. Et minimalement, ce que je vous invite à considérer de faire, c'est d'au moins envoyer un chèque à tous les 1800 OBNL du montant de la hausse de taxes cette année. Vous pouvez faire ça. C'est dans vos moyens. Vous devez agir pour le logement social. Très bien, merci. Réponse complémentaire de M. Doré. Merci beaucoup, M. Faneuf. Donc, je peux avoir un visage sur le courriel que j'ai reçu avant-hier. Et ça m'a fait plaisir de lire cette décision-là du juge. Et j'ai vu d'ailleurs que l'avocat au dossier, c'est Maître Manuel Johnson. Je le connais bien. Il habitait Saint-Henri à quelques rues de moi il y a quelques années. Écoutez, le cadre juridique au Québec n'est pas le cadre juridique des autres provinces. Pour ce qui est d'un chèque que nous pourrions envoyer, notre administration actuellement est à établir beaucoup de programmes, à réviser certains programmes, à travailler avec le gouvernement du Québec pour faire en sorte que nous soyons capables d'augmenter la cadence à Montréal de protection, de ce qui est abordable,
protection des OBNL également, donc entre autres dans les différentes amphithéoses. On se donne beaucoup de moyens également pour aller de l'avant et on se donne aussi toute la créativité possible pour arriver à des solutions intéressantes. Encore hier, au comité exécutif, on a pu aller de l'avant avec la protection de 88 logements qui auraient été perdus et qui vont finalement être propriété maintenant de l'Office municipal d'habitation de Montréal. Alors vraiment, on fait tout en notre possible, M. Faneuf, et on va suivre la jurisprudence et on va être également proactif avec le gouvernement du Québec. Vous avez notre assurance. Merci bien. Beaucoup de prendre ça en main et de le prendre avec cœur. Je le vois, puis je le lis également, je le perçois à travers vos courriels. Merci beaucoup, M. Faneuf. Au revoir. Merci, M. Faneuf.